Une nouvelle, en pile haïtien et divers leaders dans le secteur privé, même Jean Aknalita Tapton. Durant sommet, président et chef gouvernement Latino-Amérique centrale, sous thème déportation haïtien, qui peut être content en même temps qu'est brisé. Migration, thème migration. Direction générale de migration prend une autre direction, qui fait tout le monde saisir. Nouvelle la brise que divers secteurs dans le pays dominicain. Cependant, en pilote après juillet, gros réunion qui était déroulée dans la journée jeudi 8 à vendredi 9 décembre 2022. Pendant le sommet, président latino-américano Sandralio, qui était déroulé dans Santiago de los Caballeros, la République Dominicana. Côté thème migratoire était en priorité pour le président dominicain et pays amis. En pile monde dans le secteur privé, même gens ak haïtien qui te retapten yon réponse et qui approprié tant pour Jean ministre agriculture dominicain te mandé régulariser migrants haïtien yo cause économie pays a cap fait bac par rapport à main d'œuvre mano de obra et qui manquait surtout à quelques espaces dans secteur construction et agriculture qui déjà paralysé. Pour le président dominicain Luis Abinader, c'était descendre bien bas devant paysan milio pour montrer comment il sensible pour Haïti. Malheureusement, il pas capoté chaille Haïti sous doli. Il demandait pour pays latino-américano centralio aider Haïti dans plusieurs instances tant que soins alimentaires, économie et santé, sécurité pour me citer ça seulement. Pendant l'IPAT mentionné si la République Dominicana a stoppé déportation massive là ou chasse contre migrants haïtiens qui courent quitter Haïti en babouche Zambandi. Benancio Alcantara, directeur immigration, validé décision président dominicain Luis Abinader pendant l'I banalisé déclaration secteur privé pour stopper rapatriement ou chasse contre migrants haïtiens. Qui est considéré comme main d'œuvre principale la Dominicanie dans le secteur construction et agriculture pour Alcantara si DGM, Direction générale des migrations, est à suspendre déportation après une invasion haïtienne sous territoire. Pour ça, il est obligé de renforcer la sécurité frontière, tant que terrestre, maritime et aviation pour éviter l'évasion illégale dans le pays. C'est tout ça comme point essentiel que nous allons partager avec vous dans Bulletin Information jeudi samedi 10 décembre 2022. Bonjour, bonsoir avec tous les compatriotes haïtiens qui suivent nous un peu partout, spécialement compatriotes haïtiens qui suivent nous en République Dominicaine, aux États-Unis, Brésil, Chili, et spécialement avec mon qui toujours abonné, qui toujours like, fait un commentaire qui positif, qui toujours partage vidéo nous sur tout groupe WhatsApp, Facebook. Mon qui toujours suivent nous en première position, ça veut les fans réels. Salutations spéciales pour nous. Moi connais nous tapant information ça vraiment pour toute fanatique réel nous yo. Dans rencontre et sommet président avec chef gouvernement dans Latino Amérique et Centralio, que nous connaît président dominicain te gain pour le participer qui t'a déroulé dans Santiago de los Caballeros qui te gain thème migratoire qui était en priorité. Président dominicain et Luis Abinader te profité pour le montrer comment il sensible pour Haïti et devant paysan milio pour le démontrer comment l'hypothé Haïti dans et Kelly que mais cependant il pas capoté chai Haïti a Soudol, li pa kapote chay Haïti a Soudol, donc qui était pas oublié, c'était une rencontre qui était déroulée dans journée jeudi qui était 8 à vendredi qui était 9 décembre 2022. Président descend bien bas devant paysan minyo pour montrer comment le sensible pour Haïti et puis li profite, li dit faut qu'yo aider Haïti, si yo pas aider Haïti et bagarre la pas bon parce que Haïti besoin support international là. Li profiter pour lui dire que Haïti gagne un problème alimentaire, économie, santé et économie, santé et avec sacré insécurité. Donc il demande pour tout le monde et pays ça capable bailler aide dans question des termes santé avec sécurité
et puis alimentaire pour aider Haïtien. Mais cependant, il n'y a pas parlé si vous pouvez camper sous question de déportation Haïtien. Président dominicain Luis Abinader, il était dit le vendredi à côté de la communauté internationale là, il a une obligation pour venir aider Haïti pour surmonter la souffrance pepsa absibi. Pendant le sommet, chef d'État et gouvernement dans le système d'intégration centrale américain, SICA, qui t'a fait dans San Diego, dans la République dominicaine. Abinader mettait accent sur l'obligation tout pour le gouvernement haïtien qui a assumé un plus gros niveau de responsabilité visant rapport à pays et qui entourait l'IO en termes d'immigration. Haïti, il t'a insisté, et Abinader t'a insisté tout, t'a fait quoi que, et alors Haïti t'a insisté, fait quoi que l'instabilité politique et sociale qui est détériorée dans un niveau sans pareil. Déclencher vague, ça va déclencher vague migration, immigration, dans plus fort cas irrégulier et désordonné. Dans plus fort cas, c'est le monde qui est irrégulier et désordonné. Première destination, c'est la République dominicaine. Mais tout, l'autre pays dans la région. Les gens qui sont en Haïti, pour la vie pas bon, pour la vie chère, c'est le premier côté, ils sont entrés en République dominicaine, même là, ils sont dans l'autre pays toujours, qui est dans la région. Abinader a attiré l'attention internationale là, sur le sacrifice que la République dominicaine fait à dépasser les immigrants irréguliers, yo, qui dépassent la possibilité de la République dominicaine tout dans l'assimilation. Pour raison ça, les insistés communauté internationale là, y a une obligation pour venir aider Haïti tout de suite. Situation li, c'est une question qui a en pile importance pour République dominicaine. Même si li fait remarque Saint-Domingue qu'on est un gouvernement migratoire produit par facteur structurel qui typique développement économique. C'est vrai tout que c'est obligation chaque gouvernement pour assumer niveau engagement qui correspond à Clio. Si tout, si yo, c'est émettre. Devant une migration sid, qui passe si span grandit, les impératifs pour sortir dans SICA, nous connaissons SICA, qui c'est système intégration et chef d'État américain. Aknan, chaque organisation côté, nous gagne espace pour dialogue, pour travail sérieusement, pour réaliser yon plus bon ordonné mouvement mounio li ajoute tout. Haïti a vécu yon crise grave dans tout niveau, ak yon espiral violence nan men gang armé qui contrôle yon gros parti nan Port-au-Prince et qui même bloqué principal terminal pétrole PIA pendant plusieurs semaines. Ça te la cause yon manque de gaz qui te paralysé Haïti et même qui te forcé fermer porte l'hôpital nan moment choléra te recommencé encore. Qui te déjà la cause plus passé 200 moun mouri. Malgré débloquer terminal pétrole là, des ordres continuer dans pays qui plus pauvre dans Amérique yo. Côté environ 4.7 millions de monde gagne un gros niveau d'insécurité alimentaire sur 11 millions de monde dans le pays. Vous entendez? Devant la situation, dans le mois de novembre, le Haut Commissaire des Nations Unies, ONU, Douamoun Volker Türk, a demandé à la République dominicaine pour suspendre la déportation forcée à Haïtien. Abinader, qui a décrit la déclaration Türk, comme inacceptable et irresponsable. T'es annoncé rapatriement haïtien qui pas gen papier yo, pas seulement à continuer mais on va l'augmenter. Plusieurs milliers de citoyens habités dans la République dominicaine puis fo la dan yo dans conditions migration irrégulière ak et puis fo gen faux papier nan men yo tout et puis fo déportation sorti dans pays ça a affecté. Plus fort haïtien qui vivent en République dominicaine, c'est monde qui illégal. En pile gen la dedans qui gen faux papier mais gen qui gen bon papier. Donc
Non, nous avons constaté la quantité de monde qui déporté, puis forcé haïtiens qui déporté. Ça, c'est ça que le président lui-même a discuté sous thème ça. Côté un peu de monde, t'attend que le président dominicain t'apprend alors non sommet et président latino-américano que t'apprend déroulé sous thème pour être capable de bailler sur papier parce que thème est en priorité. Mais président s'est consulté parler là-dedans, mais il a pas parlé de régulariser haïtien pour bailler haïtien papier même Jean Pierre monde dit parce que ministre agriculture même dit que Abinadel gen ça dans agenda. Mais Abinadel pas dit ça dans agenda. Ça fait nous dire c'est une nouvelle qui hypothèque content, mais en même temps qui hypothèque brisé parce que pour monde qui attend papier ou bien pour monde qui attend régulariser haïtien pour travailler avec yo, sont mauvaises nouvelles pour yo. Mais pour monde tout qui pas attend ça yo, sont nouvelles pour les gens qui parlent aux Haïtiens, ils sont une bonne nouvelle pour eux. C'est comme ça, le président a fait sentir que Jean-Louis remet Haïti, il a parlé de Haïti, mais c'est pas capable. C'est comme ça qu'il a parlé, mais il n'a pas dit s'il a stoppé sous déportation massive. Là. Pas oublier, partager la vidéo sur tout groupe WhatsApp, Facebook, fait ça. De l'autre côté, le directeur immigration, Benancio Alcantara, a validé toute décision du président dominicain, Luis Abinadel, prend. Pendant li banaliser déclaration secteur privé yo, pour stopper rapatriement ou chasse contre migrants haïtiens yo, que yo considéré comme main-d'œuvre principale la Dominicaine. Dans le secteur construction et agriculture, parce que haïtiens sa yo, yo spécialisé dans le domaine construction et agriculture. Pour Alcantara, si DGM, Direction Générale d'Immigration, ta suspend déportation yo, a gagné une évasion haïtienne sur territoire. Et pour ça, ils ont obligé de renforcer la sécurité frontière, tant que terrestre, maritime et aviation. Mes amis, nous sommes de dire que nous avons fait un message pour qu'on ait une immigration pour le camp. Nous sommes de dire que nous pas de vrai. Eh bien, ok. Selon affiche, officine CDE Central, Direction Générale de Migration, tout le monde qui a un statut migratoire, attendez bien, c'est important. Tout le monde qui a un statut migratoire qui est en condition irrégulière, il n'y a pas disponible sous le système DGM encore à partir de janvier 2023. Cause condition qui te baille document temporaire ça, dans l'année 2014, yo pas répondre à sécurité, à critères légaux et normes constitution dominicaine. Attendez? Moun ki gen papier nous mes amis, attendez bien oui, si nous pas gen tan renouveler papier, nous pas là dedans non. Avant décembre nan fini oui. Et directeur migration, attendez bien, moi là, bon on continue avec nous. Li genye et toujours directeur migration nan, li démenti rimè ki fait quoi les haïtiens ou t'a fait demande rénovation ti carnet temporaire ou que yo pas accepté que direction générale migration pas accepté yo dans système là. Plutôt gen en pile dans moun sa yo qui pas gen passeport, gen ces faux documents, faux ticanet gen dans yo, mais gen en pile qui pas gen passeport et qui pas jamais gen passeport tout même dans moment où il fait cap intégrer là-dedans en 2014. Et gen en haïtien sa yo qui pas même gen acte de naissance. Cependant, sans passeport yo pa ka fè document légal qui pou valider demande yo. Non admet Direction Générale Migration admet pour moun ki pat la dan pour ka solliciter admission pour vin gen papier. Mais jusqu'à nou jou yo pa ka parce que haïtien sa yo pa gen papier. Ça veut dire alors nous tande? Donc ça veut dire yon moun ki pat solliciter rénovation nan année 2022 alors avant 2023, les gens chance pour pas capable d'utiliser ti carnet qui n'amène rien encore. Même jeune ouais immigration continue à prendre dans la rue parce que nous gont papier n'amène nous. Yo dit nous qui pas bon, papier a expiré. En ben même gens nous ouais voyer nous aller, même gens là yo pral prendre moun pire en 2023 parce que papier yo gagnent pas bon, yo pas jamais renouveler. Mes amis haïtiens, nous doit vrai oui. Là on gont papier dans monde depuis 2014 parce que yo ba un ti carnet. Il y a des gens qui jouent un carnet, qui sont même résidence, qui pas même bail papier, même passeport, qui pas de fait. Il y a jusqu'à nos jours, nous pas jamais intéressé pour nous faire papier, faire passeport pour nous renouveler, qu'on n'est pas capable. Cependant,
Moi te dit nous tout, nous si on a suivi nous là faut entendre me dit nous ca renouveler sans passeport. OK, mes amis, c'est là mon arrivé. Merci à vous même qui déjà partagé vidéo sur tout groupe WhatsApp, Facebook, invitez l'autre ami venir rejoindre nous. Merci ça pour vous t'attendre nous journée samedi pour nous porter information ça pour vous.